Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison des courtiers. L'émission qui rigole de la crise économique, l'émission qui vous rend riche et qui vous aide surtout à le rester riche. Évidemment, aujourd'hui, mes trois chroniqueuses, Chérie, Agathe, Marie, Emmanuel, bonjour à toutes les trois. Bonjour. Emmanuel, aujourd'hui, vous nous parlez du Bitcoin. Est-ce une monnaie d'avenir? Vous allez nous expliquer ça. Marie Perarnaud, vous allez nous raconter comment vous êtes devenue riche en seulement 3 jours et 0 investissement. Zéro. C'est assez fabuleux. Quant à vous, Agathe, vous allez faire une chronique sur le thème « Spéculer sur la hausse des prix des matières premières est-il bien éthique ?» et vous répondrez oui, et ceux qui sont l'inverse, et ceux qui disent l'inverse. Je répondrai oui, mais avec certaines conditions. Ça va être bien. Vous avez de l'argent, on va vous aider à en avoir encore plus. À tout de suite. Calmez-vous, Benjamin. Mais si, c'était bien. Un jour, j'animerai une émission comme ça. Ah oui, ouais. Hyper sérieuse comme ça, sur l'argent? Ouais, c'est vraiment ma passion. L'oseille, le flouze. Ah oui, bah c'est sûr qu'il y aura un énorme fossé entre la maison des maternelles et cette émission, donc, sur l'argent et les photocopieurs. Pourquoi pas? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Bonjour, si vous venez de nous rejoindre sur France 4, la maison des maternelles, chaque matin, nous vous accompagnons dans cette période un petit peu... je dirais tempétueuse, qu'est la maternité, la parentalité. C'est vrai que dès qu'on accouche, bah, on commence à être un petit peu fragile et on se soutient sur les réseaux et dans cette émission. On a une petite nouvelle ce matin qui n'est pas petite du tout et que vous connaissez certainement si vous êtes des femmes de la maison maternelle, c'est Emmanuel Bonnet. Ça va Emmanuel? Ça va bien, merci. Emmanuel, vous étiez déjà venu plusieurs fois en tant que spécialiste, vous êtes puéricultrice en PMI et aujourd'hui vous êtes là pour faire un tuto. Parce qu'on aime bien recevoir des spécialistes pour faire des tutos particuliers. Voilà, c'est bon, les sages-femmes, les pédiatres, ras-le-bol, quoi. Il y a un moment. Emmanuel, aujourd'hui, on fait quoi alors? Nous allons parler des massages. Oui. Chez les tout-petits, les moins de 3 mois, le massage toucher-contenant. Toucher-contenant, what's that is? Toucher-contenant. Ah, je vous en dirai plus tout à l'heure. Ça, c'est du teasing. Hein. Vous irez loin, vous savez, hein. Bientôt à ma place. Marie Perarnaud. Oui. Oh, je ne vous dirai rien. Non? Vous préférez faire un bon teasing? Non, vous pouvez, vous avez le droit. On va faire des maths avec moi. C'est moins funky que le massage contenant. Mais en tout cas, ça peut être ludique. Si, comme moi, vous n'êtes pas un gros matheux, ben, vous allez y arriver. Pas du tout. Enfin, vous qui êtes... matheuse. Clac! Voilà. Vous appelez géométrique. Moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'à force de mettre des FFP2, j'ai le nez rouge du Père Noël. Vous avez remarqué que j'ai le nez tout rouge? C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, ça me fait ça. Donc, au bout d'un moment, on est sur un frottement. C'est vrai qu'il est rouge. Merci, Benjamin. C'est vrai, je m'en rends compte. C'est sympa. Bon, on rigole, mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très sérieux. Depuis un an, depuis le début de la crise, les enfants ne font plus de sport. C'est-à-dire plus de sport du tout. Les conséquences, potentiellement, peuvent être dramatiques. Je vous explique pourquoi il faut tous qu'on s'y remette dès maintenant. Aujourd'hui, on aura une histoire forte, un grand témoignage dans cette émission. C'est que, enfin, vous le savez peut-être pas, mais c'est vrai que dans tous les témoignages qu'on lit, le pire quand un de nos enfants est malade, c'est de pas savoir. Parce que nommer une maladie, un syndrome, obtenir un diagnostic, c'est connaître son adversaire et c'est donc déjà commencer à le combattre. Et puis c'est aussi être entendu. Ce matin, nous allons aborder la question des maladies rares avec le témoignage très éloquent de Laure. Cette maman a eu, dès la naissance, l'intuition que son fils était différent. Elle le sentait, elle le disait et on ne l'entendait pas. Elle a dû se battre pendant 2 ans contre vents et marées pour obtenir une réponse médicale et un diagnostic. Rendez-vous tout à l'heure donc dans notre séquence Histoire forte. En attendant, Benjamin, on va dès maintenant commencer à torturer Emmanuel. Là, il y a des questions sans concession, Emmanuel. Allez, on y va. J'espère que vous êtes prête. La première est de Salomé. Mon fils n'arrive pas à se détacher de sa tétine. Et quand je lui enlève, il prend son pouce. La tétine ou le pouce, finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le moins pire? Alors, dire comme ça. La tétine et le pouce, elles ont la même fonction, finalement. Ouais. Rassurer l'enfant, l'apaiser quand il se fait mal, l'aider à s'endormir, favoriser la succion chez les tout-petits quand ils ont encore ce réflexe-là. Donc, finalement, les deux se valent. Et puis, tant mieux s'ils préfèrent le pouce. Ça évitera juste à la maman de se lever 20 fois la nuit pour aller remettre la tétine. À la maman. Ou au papa. Ou au papa, on s'entend. Mais j'imagine que le sevrage est plus difficile pour le pouce que pour la tétine. Bah, disons qu'il a le pouce tout le temps, mais finalement, la tétine, il y a aussi des parents qui galèrent. Donc après, d'un point de vue orthodontique, il y a aussi tout ce débat-là. Mais finalement, ça dépend de la façon dont l'enfant tète la tétine et tête le pouce. Donc bon.
Bon, enfin, ouais. Finalement... Et finalement, est-ce que c'est le parent qui choisit? Non, c'est l'enfant qui choisit. De toute façon, si l'enfant a fait son choix, ouais. Elle aura du mal à faire autrement. Question de Fanny. Ma fille commence à se tenir debout. Auriez-vous des conseils pour accompagner ses premiers pas quand ils vont arriver? Oui, qu'elle mette en place un espace bien sécurisé à la maison. Vraiment prévenir les accidents domestiques parce que l'enfant a accès à des nouvelles choses. Éventuellement, le laisser pieds nus à la maison pour que l'enfant prenne bien équilibre sur ses pieds et puis qu'il ait bien la sensation au niveau du sol. Éviter tout ce qui est youpala, trotteur, toutes ces choses-là inutiles. Vraiment sécuriser l'espace pour que l'enfant puisse marcher librement. Librement et pas trop le stimuler. Ça sert à rien de lui tendre les mains, l'agiter, enfin le tenir par les deux mains. Ça, c'est vraiment inutile. L'enfant, il doit se déplacer seul en prenant appui sur ce qu'il trouve autour de lui. En moyenne, ils commencent à marcher à quel âge, vous diriez, les enfants? Ah, on n'aime pas les tranches d'âge chez les puéricultrices. Alors, je vais être très très large, entre 10 et 18 mois. Ok, ouais, c'est effectivement très large. Mais il y en a même qui marchent à 20, pour dire. Voilà. Question de Séraphine. Je donne le bain à mon bébé un jour sur deux. Auriez-vous des conseils pour lui faire une petite toilette les jours sans bain? Toilette de chat? Alors, la petite toilette de chat, bah, ça va être le visage, éventuellement un peu d'eau thermale juste sur un petit coton lavable, un petit coton bio-écolo. Ouais. Voilà, laver les mains éventuellement avec un peu d'eau et de savon et puis bien sécher. Et puis vérifier si l'enfant a tendance à régurgiter, enfin, si c'est un bébé, s'il a tendance à régurgiter, vérifier les plis du cou, qu'il n'y ait pas de macération. Voilà, mais sinon, ça ne salit pas trop un bébé avant que ça marche à quatre pattes, en tout cas. On ne recommande plus un bain tous les jours? Ah non. Et même tous les trois jours, ça suffit. Ouais. Ouais. Tous les trois jours, ah bah ouais. Mais bon, ça les apaise quand même le bain, les enfants. S'ils aiment bien, allons-y, si c'est un bon moment. Il y a des bébés qui n'aiment pas aussi, hein, qui n'aiment pas, qui ont froid en sortant. En tout cas, ça ne sert à rien de les récurer. Hein. Moins on met de produits sur eux, mieux on se porte. Et donc, si son enfant aime bien, on peut lui donner un bain tous les jours? On peut aussi le faire. Et puis, s'il fait chaud, si c'est la canicule, ouais. C'est pas le cas en ce moment, mais voilà, n'hésitons pas à le faire tous les jours. Mais il n'y a pas d'intérêt vraiment, pour, en tout cas, d'un point de vue cutané hygiène, il n'y a pas d'intérêt. Hein. Question envoyée en vidéo pour vous par Florine. Bonjour la maison des maternelles. Voilà, ma fille de 2 mois fait des nuits de 10 heures, mais ne dort pas forcément beaucoup en journée. Ma question est-ce que je dois lui imposer des siestes en journée et lui raccourcir son temps de sommeil la nuit, ou puis-je la laisser gérer comme ça? Voilà, voilà, bonne journée, à bientôt. Alors, Florine... Elle va s'attirer des ennuis, Florine. Oui. Florine, quel est le problème? Si à 2 mois, son bébé fait des nuits de 10 heures, elle ferait mieux de ne pas trop le dire sur les médias. Tant mieux pour elle. Et puis bah, après, dans la journée, elle va laisser son bébé gérer comme elle peut, hein, les siestes. Si le bébé a besoin de dormir, il faut le laisser dormir. Si à l'inverse, il ne dort pas trop, étant donné qu'il fait des bonnes nuits, bah, ce n'est pas très grave. Hein. Du moment qu'il a son quota de sommeil sur 24 heures, tout va bien. Le conseil, c'est ne changez rien, Florine. Ne changez rien. Ouais. Et surtout, ne communiquez pas votre adresse. Vous avez fait le jaloux. Bon, après, ça peut changer. Il n'a que 2 mois, le bébé. Oui, ça peut changer. En fait, le sommeil, il vient à la fois... Il y a l'aspect nutritionnel. Il faut que l'enfant ait suffisamment à manger sur 24 heures. Donc, c'est sûr que s'il fait une nuit de 10 heures, il va falloir regrouper l'alimentation sur les heures restantes. Et puis après, il y a d'un point de vue neurologique. En fait, les cycles du sommeil chez un tout petit sont très différents de ceux de l'adulte. Et donc, potentiellement, entre chaque cycle, il peut se réveiller. Et comme les cycles sont plus courts, bon, ben voilà, en fait, c'est pas gagné encore pour Florine. On m'a dit que les puéricultrices avaient toujours des bébés qui faisaient leur nuit très tôt, c'est vrai ou pas? Ça ne se vérifie pas toujours. Ça ne se voit pas en tout cas. Question de Martin. Nous avons 2 enfants et le plus grand de 3 ans ne veut pas partager ses jouets avec son petit frère de presque 2 ans. On ne sait pas trop comment s'y prendre car il pique vite des colères. Oui, alors ça c'est une grande question des parents, la question du partage. Alors qu'en fait, un enfant à cet âge-là, c'est normal qu'il ne sache pas partager. C'est une valeur qu'on apprend progressivement. Et puis, un enfant à qui on retire, j'en sais rien, un ballon par exemple, ça a la même valeur que le parent si on lui retire sa voiture par exemple. Donc, aller prêter son ballon, c'est quand même pas une chose facile. Enfin, il n'a pas la notion de valeur de chaque chose et voilà, c'est compliqué pour eux de prêter. Donc la vraie question derrière cette question, c'est la gestion des colères. Mais en soi, de prêter ou de ne pas prêter, c'est normal à cet âge-là. Ou alors on peut répondre à Martin de faire un 3e enfant. Ça apaise. Peut-être, mais 3, c'est pas toujours le bon chiffre. Marie, question de Camille, nous n'avons pas de baignoire. Comment puis-je sécuriser la douche? Est-ce qu'il y a des chaussons antidérapants, des jouets de bain accrochés au mur?
Alors, déjà, alors pour les tout-petits, il y a des baignoires qui se déplient dans la douche qui sont assez sécurisées, ou des petites piscines gonflables même qu'on peut mettre pour les plus grands. Après, sécuriser la douche, il y a des tapis antidérapants, des petits chaussons de douche, oui, il y a les pas petits qui font des chaussons qui se mettent un petit peu en cuir comme ça, qui peuvent se mettre dans l'eau. Chez Decathlon aussi, je crois qu'il y a des petits chaussons de piscine très simples. Chez Maman Naturelle, j'en ai vu aussi. Après, des trucs qui s'accrochent au mur, oui, tout ce qui va être ventouse. Après, on fait bien attention à bien les rincer, parce que c'est typiquement le genre de jouet qui va rester humide et qui va se moisir dégueu, quoi. Donc, voilà, désolé, mais... Emmanuel, une dernière question de Julie. Avez-vous des petites astuces pour soulager les maux de ventre du bébé? Oui, il y a des petites astuces. Alors, il y a des massages, dont on parlera plus tard. Mais notamment le massage, le fameux massage où le bébé, en fait, sur le dos, les jambes croisées, et puis on tourne, en fait, ses jambes dans le sens des aiguilles d'une montre très lentement. En fait, ses cuisses appuient sur son ventre. Et ça, ça soulage bien. Ça aide finalement le transit, les gaz à circuler. Et voilà, ça permet à l'enfant d'être un peu soulagé quand il a des coliques. Après, il y a tout ce qui est portage, les écharpes de portage, ou bien les porte-bébés ergonomiques. Ça, c'est très bien, pas de souci. Et il y a les positions de portage à bras. Voilà, la fameuse petite position où on met le bébé sur son avant-bras. Voilà, ça soulage bien aussi. Où on le porte comme si on lui faisait faire pipi, en fait, dos contre le ventre du parent. Et on le porte comme ça, et ça soulage bien. Et puis après, il y a des petites astuces comme les probiotiques, ça peut aider, ou les petites tisanes à base de plantes. Merci Emmanuel. Je trouve qu'on a fait déjà entre le bain, le pouce, la tétine, les maux de ventre et tout. Franchement, on a répondu à plein de questions. Quand c'est Anna ou Arnaud, on dit rien, quoi. Ouais, franchement, enfin, c'est d'un vide. Non, franchement, vous êtes vraiment top. Hein. Vous allez rester. Ne faites pas trop, vous allez me faire rougir. Benjamin, on plaisante évidemment. Benjamin, vous allez casser l'ambiance aujourd'hui parce que vous êtes très sportif. Ça se voit à la façon dont vous êtes gaulé. Et là, vous allez. Faites attention à pas abîmer la table, mais vous allez taper le poing sur la table. Hein. La cassez pas en le faisant, hein, oula. Pire lancement qu'on m'ait jamais fait dans ma vie. Pourtant, c'est un sujet qui est hyper sérieux. En marge de la crise du Covid, se joue une véritable question de santé publique. Et je trouve qu'étrangement, on en parle finalement très peu. Le sujet, c'est que les enfants ne bougent plus rien. Plus de sport depuis un an, plus d'activité physique, même plus de balades, d'aller courir dans un parc, d'aller jouer au foot. Depuis un an, les indicateurs sont tous dans le rouge sur le sujet. Et pas qu'un peu, et les conséquences de ça vont potentiellement être terribles, autant le dire, pour toute cette génération d'enfants-là. C'est une grande étude, le Report Card, publié chaque année, qui nous a appris ces chiffres il y a quelques jours. Écoutez, c'est hallucinant. Pour rappel, l'OMS dit les enfants doivent faire une heure d'activité physique par jour. C'est une recommandation donc de l'OMS. Activité physique, c'est pas l'entraînement extrême du marathon. C'est une activité modérée pour des enfants. Donc, je l'ai dit, jouer dans un jardin, dans un parc, faire du vélo, etc. L'objectif, c'est une heure par jour. Avant 2020, 28% des garçons, 18% des filles atteignaient cet objectif, ce qui était déjà très peu. Et là, aujourd'hui, on est passé à 3% des filles et seulement 6% des garçons. C'est donc un effondrement. L'étude, autant vous le dire, est on ne peut plus sérieuse. L'effondrement, bien sûr, s'explique. Hein, aucun problème. Les clubs sportifs ont tous plus ou moins fermé. Les piscines ont fermé. On se souvient également de cette brillante idée. Mais quand j'y repense, je me demande qui a eu cette idée. Pendant le premier confinement, vous vous souvenez de fermer les parcs? Les parcs étaient fermés, donc on avait le droit d'aller marcher une heure avec les enfants, mais pas dans les parcs. Donc on se retrouvait tous comme des couillons sur le trottoir, donc ils ne pouvaient pas courir, pas faire du... Je repense à ce truc. Bref. Calmez-vous. Non, alors, cela dit, depuis, les parcs ont rouvert, mais c'est vrai qu'on ne fait pas de sport avec nos enfants. Alors le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a pris conscience du problème. On a tous vu ces images de lui mouillant le maillot, si l'on peut dire, pour communiquer et insister sur la nécessité de faire du sport. On parle d'une demi-heure par jour à l'école. Pas les petits points. Ah, le problème, c'est que ces images, voilà. On s'entraîne pas souvent avec Karim, hein, sur le ring. Hein. On a surtout rigolé et on a peu parlé du fond, alors que le fond, il est important parce que les médecins qui s'intéressent à ce sujet nous parlent de quoi? Nous parlent d'enfants qui, depuis un an, ont des prises de poids importantes, IMC qui explose, augmentation de l'obésité, avec tous les symptômes qui vont avec ou qui vont aller plus tard dans les années qui viennent, c'est-à-dire diabète, hypertension, des maladies chroniques qui raccourcissent l'espérance de vie. On y va tout droit, on est dans une catastrophe sanitaire. C'est Michel Simès qui le dit. Je l'avais dit, je casse un peu l'ambiance, mais je crois que c'est vraiment important d'en parler. Et alors tout cela s'est aggravé depuis un an, mais en vrai, on est déjà dans une tendance qui est assez lourde. Depuis 40 ans, les enfants ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire. Alors Michel Simès, qui est quand même très fort pour expliquer la médecine aux gens qui n'y comprennent rien comme moi, il dit, vous prenez un cœur d'un enfant il y a 40 ans, vous coupez un quart du cœur et vous avez le cœur d'un enfant aujourd'hui. Parce qu'ils ne bougent plus, parce qu'ils ne font plus de sport. On peut aussi parler des bienfaits psychologiques de faire du sport. On le dit, on le répète, psychologiquement, les enfants sont atteints.
Les psychologues racontent que de plus en plus d'enfants viennent les voir, qui sont déprimés, qui sont dépressifs, etc. Le sport, c'est un excellent antidépresseur pour les enfants aussi. Bien sûr. Antidépresseur naturel. Quand on sait à quel point les enfants souffrent de cette situation, on a déjà un vecteur assez facile à mettre en place. J'arrête, je voudrais juste dire qu'il faut évidemment mettre le holà sur les écrans parce que la courbe est exactement inverse sur les écrans. Les écrans ont explosé depuis un an, forcément. Même si je me mets à la place de tous les parents, évidemment, en télétravaillant, etc., c'est compliqué d'aller faire du sport. Il faut donc penser moins d'écran, rééquilibrage alimentaire, tout ça est vrai, mais on doit surtout, je pense, réinventer notre manière de faire du sport. On ne peut pas sortir ou pas forcément. Bah, vive les vidéos YouTube. Je veux dire, allons-y, fonçons. Karim Gosso, il y a lui, il y en a partout. Franchement, c'est tout simple. Voilà, vous mettez vos enfants devant une petite vidéo. Je l'ai beaucoup fait moi-même pendant les différents confinements. Les enfants, ils adorent. Ils adorent. Et après, ils sont en sueur, ils sont calmés, ils dorment mieux. Et vous allez bien. Donc, allons marcher, allons courir avec nos enfants, faisons du vélo, de la trottinette, du foot, ce que l'on veut. Mais sortons, n'attendons pas que les clubs sportifs rouvrent. Merci, Benjamin. C'était important de le dire ce matin. Marie, alors vous, petit Renardo, vous avez encore écumé les réseaux et vous nous avez encore trouvé une mignonnerie. Mais j'étais obligée parce que je voulais faire écho au propos de Benjamin, que je trouve complètement vrai. C'est un vrai binôme. On travaille comme ça, clac, clac. Et alors, on a proposé le tuto de Karim a beaucoup, beaucoup d'enfants, à tous les enfants de France. Et le petit Jayan, eh bien, malfois, lui, est resté assez perplexe. Regardez. Sur le pont du bateau, il faut éviter que... Non mais alors déjà, voilà. On adore les mignonneries, mais alors quand c'est devant la maison des maternelles, ça c'est le rêve. Mais l'air circonspect est fou. Faut dire que Marie et moi, on était pareil. Pendant l'émission avec Karim, tout se roulait par terre. Tu dis ce qu'il a pris son petit traitement ce matin. Merci beaucoup Benjamin, merci Marie, merci Emmanuel. On vous retrouve Emmanuel dans quelques minutes pour nous parler de massage des bébés. Donc préparez votre bébé parce que vous allez pouvoir suivre les conseils d'Emmanuel. Tout de suite, le long combat d'une maman pour identifier la maladie rare de son fils. C'est l'heure de partager. Les maladies rares touchent moins d'une personne sur 2000. En moyenne, le délai entre les premiers symptômes d'une maladie rare et son diagnostic, c'est 18 mois. C'est déjà énorme, mais parfois, ça peut durer même des années. Laure, bonjour. Bonjour. Vous avez connu cette errance médicale avec votre fils Louis, qui a aujourd'hui 5 ans. Dès sa naissance, vous avez su qu'il était différent. Franchement, vous allez nous raconter, mais c'était quasiment immédiat. Malheureusement, vous étiez totalement seule, et c'est aussi pour ça que vous venez témoigner aujourd'hui, parce que c'est terrible, cette solitude. Vous avez dû vous battre pour enfin mettre un nom sur sa maladie. Et donc, merci de raconter cette histoire, parce que je pense que vraiment, quelle que soit la spécificité de ce qu'a votre enfant, la solitude, c'est vraiment très commun de tous les parents, et les errances diagnostiques, c'est très fréquent. Comment ça s'est passé la naissance de Louis déjà? Ça a été sport. Il est né après un décrochement parce qu'on suspectait un retard de croissance qui a été infirmé à la naissance. Il est né normal, 3 kilos, enfin bon petit bébé. En revanche, ça a été assez sport parce qu'il est né avec une triple circulaire du cordon. Il est né très très vite parce qu'en fait il y avait des anomalies du rythme. Donc assez ramollo avec un Apgar de 4, ce qui n'est pas énorme. Et voilà, du coup. Donc à la naissance. Il était bleu et pas très très. Il n'était pas très en forme, mais j'imagine que vous vous dites, évidemment, il a eu le cordon. Voilà, il a eu le cordon. Moi, c'était mon premier bébé. Je le vois arriver. Bon, je me dis, tout le monde me dit, ça a été sport, on va lui laisser un petit peu de temps et puis ça va aller. Voilà, c'est normal qu'il soit un peu. Voilà. À quel moment est-ce que vous avez senti que Louis, c'était pas un bébé comme les autres? Première nuit. Et donc c'est assez rapide. Ouais. Première nuit parce qu'en fait tout le monde est parti, ma famille, mon mari, enfin et là je me suis retrouvée toute seule avec et il y avait les chambres à côté avec tous les bébés et ça braillait de toutes parts. Enfin ils avaient tous envie de manger, de boire, d'avoir les bras de leur mère vraisemblablement et du coup ça faisait énormément de bruit et comparé au calme de ma chambre vraiment ils se réveillaient pas. Il n'avait pas faim. Quand il était réveillé, c'était très rare. Et puis, il regardait le plafond. Enfin, il y avait vraiment, dès le début, quelque chose de bizarre. Il est un peu trop calme pour, Vraiment. Pour un bébé. Vraiment, comportement complètement inhabituel. Ouais. Vous êtes confiée aux professionnels de la maternité? Oui.
Elles m'ont trouvée hyper stressée. Et c'est vrai que c'est plutôt mon tempérament. Enfin, je suis un petit peu contre-fric sur les bords, donc ça ne m'étonne pas. Et du coup, elles ne m'ont pas trop écoutée. Elles se sont dit, oh, c'est le baby blues, les hormones, tout ça. Enfin, bon, bref, puis c'est son premier, donc voilà, ça va aller. Il y a quand même une auxiliaire de puériculture qui a un peu tilté. Exactement. C'est-à-dire qu'au deuxième jour, il y a une auxiliaire qui est venue, qui lui a fait prendre le bain. Et d'habitude, c'est vrai que ça éveille un petit quelque chose quand même chez les bébés. Soit ils n'aiment pas, soit ils aiment beaucoup. Enfin, en tout cas, ils s'agitent un peu. Et là, mon fils, rien. Enfin, vraiment, il était... ça suscitait aucune réaction. Donc elle en a parlé à une de ses collègues, qui allait voir une de ses collègues, qui allait voir une infirmière, qui allait voir une sage-femme, qui allait voir un docteur. Et finalement, il y a un docteur qui est venu le voir. Et là, on a été descendu en unité mère-enfant. Donc en néonatologie, parce que du coup, ils avaient trouvé une petite infection materne, une infection materno-fœtale à Escherichia coli. Donc ils m'ont dit, bah voilà, 5 jours d'antibiotiques, et puis on n'en parle plus. Bon, je me disais que ça commençait à faire un peu beaucoup, la triple circulaire du cordon, les antibiotiques avec l'infection materno-fœtale, mais je me suis dit, voilà, 5 jours, et puis on n'en parle plus. Et puis les 5 jours sont passés, et puis Louis, il n'allait pas vraiment mieux, en fait. Enfin, oui, il était toujours aussi ramollo. Ouais. À un moment, on vous a proposé de faire une ponction lombaire. Ouais. Et c'était pourquoi ? C'était à cause de cette infection materno-fœtale ? Parce que du coup, je pense qu'ils le voyaient quand même très, très ramollo, et je pense qu'ils ont suspecté une méningite. Ah, c'est ça. Donc dès le premier soir, en fait, je suis allée dire bonsoir à mon bébé, parce qu'on était séparés. Mmh. Et là, il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit « La ponction lombaire, ça va dans un quart d'heure. » Je me suis retournée. Hein. Pourquoi me parle-t-elle ? Oui, c'est pas mon bébé, quoi. C'est pas mon bébé, on m'a pas prévenue. Enfin, je sais pas de quoi on me parle. Et franchement, sur le coup, là, je me suis effondrée parce que pour moi, une ponction lombaire, c'est vraiment une abomination. Enfin, pour moi, un tout petit bébé comme ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je pouvais pas entendre. Mais déjà, je sentais qu'il y avait... Pas des non-dits, mais... Enfin, si, des non-dits, parce que, clairement, je n'avais pas été prévenue. Et je pense que si je n'étais pas allée le voir à ce moment-là pour lui dire bonsoir, enfin, je l'aurais su le lendemain, quoi. Ils ont fait toute une batterie d'examens qui s'est révélée... Enfin, qui a donné quoi ? Normaux. On lui a fait EEG, échographie transfrontanelle, parce que je pense qu'ils ont suspecté, à cause de la triple circulaire, une anoxie néonatale aussi. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, parce qu'après, j'ai demandé le dossier, et effectivement, c'était suspecté. Qui sont révélés normaux. En fait, on est resté à la maternité comme ça, mais sans savoir vraiment pourquoi on restait. Et eux cherchaient, ils trouvaient pas, et on est rentré un petit peu comme ça à la maison, quoi. Mmh. Votre conjoint, votre entourage venait vous voir à la maternité, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'ils partageaient vos inquiétudes ? Est-ce que eux aussi trouvaient qu'il y avait quelque chose qui était un peu bizarre ? Alors, mon conjoint, il a même vécu un peu avec moi à la maternité. Il a subi, comme moi, en fait, les interrogations, enfin, le fait qu'on ne savait pas ce qu'on faisait là et pourquoi et qu'est-ce qu'on attendait. Mais il n'a pas trop le même tempérament que moi. Donc, moi, je prends toujours un peu les trucs en avance. Donc, j'imagine 1000 scénarios et j'angoisse en avance, alors que lui, il attend qu'on lui dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour agir. Donc, enfin, je pense qu'il ne l'a pas forcément pris de la même manière, mais il était inquiet aussi. Et l'entourage, déjà, attendait quand même une naissance, donc quelque chose d'heureux. Et l'a pas forcément vu cette inquiétude qui commençait à grandir en nous, parce qu'eux n'étaient pas confrontés, en fait, aux professionnels. C'est-à-dire que nous, quand on voyait les professionnels de santé, on leur posait des questions, on voyait bien que les réponses, enfin, c'était à côté, quoi. On voyait bien qu'il y avait une gêne, un malaise. Oui, parce qu'ils sentaient peut-être quand même aussi qu'il y avait quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi, en fait. Exactement, ce qu'ils nous ont dit, d'ailleurs. Mais du coup, l'entourage, à chaque fois qu'il y avait les tests qui revenaient positifs, nous disaient « Ouf !» Et du coup, plus les jours passaient, plus ça revenait bon, et plus ils avaient envie de fêter la naissance. Donc, mais quand même, ma mère trouvait qu'il avait peut-être un peu mal au ventre. La mère de mon époux se disait que quand même, il n'avait pas beaucoup de voix. Enfin, voilà, je pense que tout le monde sentait quand même qu'il y avait un petit quelque chose. Alors un jour, il y a une pédiatre quand même qui vous a parlé, quoi, qui vous a dit les choses. Ouais, qui m'a dit, vous voulez que je sois franche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et mais là, oui, mais sans vous dire ce que c'était et sans vous proposer une solution. C'est quoi. Ça. En fait, c'est ça. Déjà, à la base, je ne comprenais pas vraiment le concept de « je ne sais pas ».
Parce que pour moi, la médecine, c'était genre on fait une prise de sang, il y a une maladie et derrière, on donne un médicament. Donc j'étais vraiment la base de, de la médecine. Mais surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est ça. C'est que je me suis dit, ben, je lui ai dit, ben, faites des IRM, je sais pas, n'importe quoi, ben des tests génétiques. Et on n'a rien fait. Et je suis rentrée comme ça à la maison, sans rien, en fait, avec juste... Bon, on attend et on va voir. C'est horrible, franchement. Alors là, un truc en suspens comme ça, aussi grave, c'est terrible. Sans savoir ce que... Enfin, encore, elle m'aurait dit, ben, regardez si vous voyez ci, ça. Enfin, tournez-vous vers tel spécialiste. Tournez-vous vers tel spécialiste. Et puis, en attendant, s'il y a telle chose que vous trouvez bizarre, enfin, appelez-moi. Enfin, mais rien. Enfin, c'était, on attend, on va voir. Mais quoi ? Je ne savais pas. Et quand vous êtes rentrée à la maison, alors, comment ça s'est passé ? Vous avez continué à l'observer ? Bah oui, sous toutes les coutures, ouais. Oui, c'est ça. Et ça ne passait pas. Il était toujours très mou. Les biberons duraient une heure. Il n'arrivait pas à téter. Il faisait beaucoup de fausses routes. Et puis, voilà, ça a continué comme ça. Et là où ça a été de plus en plus difficile, c'est qu'en fait, il est allé en crèche. Et que j'ai commencé à avoir le gap. Vous avez des points de comparaison. Le fossé tous les jours qui s'agrandissait. Et vous dites qu'il était tout mou et tout, mais vous aviez quand même des interactions avec lui. Oui. Vous arriviez à communiquer quand même. Oui, complètement. Complètement. Et ça, c'est ça qui, à mon avis, nous a pas aidé quelque part. Parce que c'était un bébé très, très souriant. Mais qui ne demandait jamais rien. On le voit sur l'écran, là, il est trop mignon. Non, vraiment très, très souriant. Enfin, le bébé parfait, enfin, je dirais qu'il n'avait pas... Enfin, il ne réclamait pas à manger. S'il avait une couche souillée, ça ne le gênait pas. Enfin, il ne réclamait jamais, il n'exprimait pas ses besoins. Oui, c'est ça. Il était toujours dans la communication et toujours avec un grand sourire. Mais... Le problème, c'est ça aussi. C'est du coup, l'entourage, j'imagine, vous disait bah, de quoi tu te plains, hein, ça va, tu veux des problèmes, t'en as pas, profites-en. Exactement, exactement. Et même la pédiatre, au fond, elle voyait un bébé qui grossissait quand même. Parce que moi, les biberons, ça durait des heures, mais je m'y collais. Donc, il suivait une petite courbe de poids, mais il la suivait. Oui, mais les problèmes de succion et, parce que je l'ai pas et d'étouffement. Assez... Alors, étouffement, c'est clair que j'en ai parlé. Je pense qu'elle s'est dit que j'étais vachement trop stressée. Problème de succion, j'ai peut-être pas assez insisté. C'est vrai que je savais pas combien de temps devait durer un biberon et que j'ai peut-être pas expliqué que ça durait une heure à chaque fois. Mais clairement, le fait qu'il s'étouffait, elle m'a dit je crois que vous êtes beaucoup trop stressée. C'est pas juste de lui faire subir ses angoisses. Qu'est-ce que vous avez été culpabilisée dans cette histoire ? C'est fou. À 4 mois, vous avez demandé quand même un second avis médical par rapport à ça. Ouais. Et j'ai pas eu de chance parce que je suis allée voir une de ses collègues, enfin, en tout cas une personne qu'elle connaissait. Donc, je me suis fait balancer. Oui, c'est ça, en fait. Elle est... Je te préviens, je t'envoie une mail ultra stressée. Voilà. Non, je l'ai fait dans le dos de ma première pédiatre. Mmh. Et cette deuxième pédiatre que je suis allée voir m'a dénoncée à la première. Oh là là. Et du coup, le rendez-vous suivant avec la première pédiatre a été un peu houleux. Enfin, elle m'a dit non, mais je comprends, mais quand même, il faut arrêter d'être complètement folle. Donc moi, j'ai arrêté là. Je me suis dit, OK, d'accord, tout le monde trouve qu'il va bien. Moi, je dois reprendre mon boulot. Je me marie dans 3 mois. J'ai vraiment autre chose à faire que de regarder les sites avec que des trucs affreux. Et voilà, je préfère aller choisir une robe de mariée comme tout le monde. Hein. Donc voilà, je mets ça en suspens. Je me mets une deadline à 9 mois. Si à 9 mois, je vois qu'il n'atteint pas tel et tel stade de développement, là, je me... C'était quoi ? C'était... En gros, c'était un minimum de position assise. Pas se tenir assise lui-même. Mais en gros, à 9 mois, quand je le posais, c'était une poupée de chiffon. C'est comme moi, j'ai un petit là actuellement qui a 7 mois. À 9 mois, il avait le développement d'un enfant de 4 mois, 3 ou 4 mois. Vraiment, c'était. Et même peut-être moins. Enfin, vraiment, au niveau axial, là, du tonus ici, il n'y avait rien. Donc, du coup, vous êtes allé voir un nouveau pédiatre là, à ce moment-là ? Un troisième, oui. On comprend ? Là, ça a été. Ça a été très clair. Hein. Il m'a dit il y a quelque chose, je vous envoie tout de suite faire une IRM. 2, je vous envoie vers un neuropédiatre. Alors, j'imagine que d'un côté, c'est l'horreur, parce que ça vient confirmer ce que vous pressentiez, ce que vous redoutiez. D'un autre côté, vous êtes enfin entendu. Ouais, je ne peux même pas dire que c'est l'horreur, en fait, parce que l'horreur, j'ai traversé pendant 9 mois avant à voir un bébé que je... Enfin, il y avait quelque chose, mais je n'aurais pas su dire quoi, et à ne pas être entendue par les professionnels. Alors que là, quelque part, bon, puis...
Alors pour le coup, moi je minimise, je me dis bon, il est un peu ramollo, il va faire du sport et puis ça va aller. Enfin, donc je suis juste contente d'être entendue et je me dis qu'on va aller de l'avant. Et le neuropédiatre vous a dit quoi? Alors il a fait l'IRM, il fait tous les examens. Ouais, qui sont. Alors l'IRM est revenu normal. Donc déjà je me suis dit bon ben déjà il a pas manqué d'oxygène à la naissance, c'est déjà ça. Et après quand on est allé voir donc la neuropédiatre, elle nous a dit ben première chose, vous allez remplir un dossier à la MDPH. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Bon, ben, je vous préviens, le H, c'est pour handicapés. Hein, donc, bon, là, on comprend qu'on passe déjà de l'autre côté de la barrière. Juste une parenthèse, ouais. vous avez quand même tenu au courant la toute première pédiatre? Non, elle m'a rappelé un an après. Ah bon? Elle m'a laissé un message sur mon téléphone et pour savoir où est-ce que j'en étais. Vous l'avez jamais rappelé? Non. J'espère qu'elle regarde cette émission parce que. Coucou. Voilà, j'imagine qu'elle était de toute bonne foi et tout, mais c'est vrai que on se met à votre place, c'est quand même terrible. Après les 1 an de Louis, vous avez entamé une batterie d'examens encore. Est-ce qu'ils ont révélé quelque chose cette fois? Parce que je sens que ça fait 1 an là, on se met à votre place, que vous errez. Ouais. Bah, là, non, en fait, alors, on a rien eu pendant longtemps. Non, on a fait une batterie d'examens. Je ne pourrais même pas tous les citer tellement il y en a. Et les tests revenaient à chaque fois bons. Alors, en plus de ça, pour certaines maladies, on ne nous avait pas trop expliqué. Et franchement, j'étais contente que ça revienne bon parce qu'il y avait dans le lot des choses vraiment atroces. Mais tout revenait bon. Donc, bon ben, mais on savait qu'on avait encore des tests plus poussés à faire. Donc voilà. Alors, il n'y a toujours pas de diagnostic. Ouais. Et puis, il y a d'autres troubles qui viennent s'ajouter. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, vous le trouviez un peu hypotonique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, ramollo. Oui, bien même pas mal. Ouais. Mais vous dites, à un moment, il a rattrapé aussi son temps, il s'est mis à marcher. Oui, il a fait beaucoup de psychomotricité, de la kiné. Il a été tout de suite pris en charge. Dès ces 9 mois, il a été pris en charge. Donc ça s'est plus ou moins résorbé. Qu'est-ce qui est apparu alors comme nouveau trouble? Les troubles autistiques. Alors, c'est venu sur des petites choses au début, vraiment l'envie de regarder plutôt la machine à laver à longueur de journée qui tourne, les roues des voitures qui sont plus intéressantes que les faire rouler elles-mêmes par terre. Et puis après, c'est allé en s'empirant avec beaucoup de stéréotypies, du flapping, maintenant il s'automutile. Donc c'est vraiment un autisme hyper sévère. Ouais. Alors presque 2 ans après le début des investigations, parce que c'est, on a l'impression d'écouter un podcast de faits divers, tellement c'est une enquête, mais les généticiens vous informent enfin qu'ils ont une piste sérieuse. C'était quoi? Alors c'est même 3 ans. En fait, il y a eu un premier moment. En fait, au bout de 2 ans, on est arrivé à une impasse où on n'avait rien. Vraiment, j'avais fait les tests les plus poussés qui existaient en France et j'avais rien. Là, vraiment, je me suis effondrée. Et 1 an après, donc là, c'était au bout de 3 ans de recherche génétique, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient peut-être trouvé quelque chose, donc une piste génétique, qu'il n'y avait que 8 enfants dans le monde. 8 enfants, seulement. 8 enfants. Alors, au début, ils m'ont dit 9, et puis ils m'ont dit, non, en fait, 8. Le 9e, c'est une souris, mais en fait, ça a son importance parce qu'il y a des tests dessus. Je me suis dit, bon, OK, donc 8 enfants plus une souris. Et donc, c'est toujours en cours de validation, mais c'est vrai que c'est des choses tellement rares que reliées... Mais les symptômes correspondent. Ouais. Un retard de développement global, des problèmes de communication, ça rentre aussi dans le champ autistique. Quoi. Oui, en fait, c'est une conséquence de sa maladie. Il n'est pas autiste, il est autiste. Exactement. C'est une conséquence, quoi. Exactement. Quelle est la prise en charge de Louis aujourd'hui? Parce que si c'est un autisme sévère... Ouais. Alors, Louis, jusqu'à pas très longtemps, il allait à l'école. Et puis, à un moment, c'est devenu plus possible. Tant les stimulations... Tout, la lumière, le bruit, le côté non prévisible était insoutenable pour lui. Donc maintenant, il y a une éducatrice qui vient 4 demi-journées par semaine à la maison. Moi, je ne travaille pas 2 après-midi par semaine et le reste, c'est les grands-mères. Et là, vous arrivez à avoir merci, un... Merci les grands-mères. Oui, merci les grands-mères. Ouais. Leur rendre hommage. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir un lien avec lui ou pas du tout?
Bien sûr. Non, non, mais ça, c'est aussi une particularité de l'autisme. C'est vrai qu'on s'imagine des murs et c'est pas du tout ça. Mmh. Hein, c'est comme s'il n'était pas câblé de la même manière, en fait. Ce qui vous intéressera à vous, ne l'intéressera pas. Et à côté de ça, il y a des choses qui l'intéressent. L'autre jour, j'étais dans le taxi et je voyais battre des mains comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faisait? Et en fait, c'était juste qu'il y avait des petites particules de poussière et un rayon de lumière qui passait. En fait, c'était joli. C'est vrai, enfin, ça passait devant comme ça. Et juste, ça, il a trouvé ça fantastique pendant, pendant une demi-heure. Mais c'est vrai que moi, avant que je comprenne de quoi il retournait... Enfin... Petit bébé de 7 mois qui s'appelle Raphaël, vous avez eu peur qu'il ait la même chose, donc j'imagine. Pour Raphaël, pour d'autres raisons, on est passé par un don d'ovocytes. Mmh. C'était long aussi, c'était compliqué. On viendrait pour faire ce témoignage alors. Oh, bah, si vous voulez, oui. Je suis allée jusqu'en Espagne pour le faire, donc c'était compliqué. Oui, donc du coup, ça vous permettait d'éliminer le risque. Ouais. La peur. Ouais. D'écraser le risque génétique, parce que c'est vrai que autant que les choses, enfin que la foudre tombe deux fois au même endroit quand on prend les mêmes parents. Oui, oui, là. Mais surtout là, quand on n'y a que 8 dans le monde, quand même. Voilà, c'est ça. Juste, pourquoi est-ce que vous vouliez témoigner aujourd'hui? On n'a plus beaucoup de temps, mais juste si vous pouvez faire passer un message aux parents qui sont comme vous dans des errances diagnostiques. C'est surtout que les mamans se fassent confiance, parce que c'est celles qui connaissent le mieux leur enfant, enfin les mamans et les papas. Mmh. Aux professionnels, les écouter. Et de savoir passer la main quand ils ne savent pas, et savoir dire quand ils ne savent pas, c'est normal de ne pas tout savoir, en fait. Mais oui. Voilà, et de savoir passer la main et d'orienter. Il faut s'écouter, et puis il faut aussi que l'entourage soit peut-être un petit peu plus tolérant et écoute les parents et les mères, surtout, parce que je crois que voilà, on a des intimes convictions qu'il faut prendre en compte, et peut-être que le personnel médical... aussi, ce serait important qu'ils aient ça en tête en permanence. Ouais. Merci infiniment, Laure. On va croiser les doigts pour que Louis ait une bonne prise en charge adaptée à cette maladie si rare. Pour aller plus loin, on accueille le professeur Stanislas Lyonnais avec Benjamin Muller. Oui, Agathe, on est en direct maintenant avec le professeur Stanislas Lyonnais. Bonjour, professeur. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Bonjour, je suis ravi de retrouver les maternelles. Bonjour. Et nous également. Alors, je rappelle que vous êtes professeur en génétique, généticien à l'hôpital Necker à Paris et directeur de l'Institut des maladies génétiques, l'Institut Imagine. Alors, on l'a entendu tous ensemble, pour Louis, il y a eu des années d'errance médicale avant de pouvoir poser ce diagnostic. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer que ça prenne autant de temps? Je crois qu'il y a deux ordres d'explication à ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Il y a à la fois des difficultés technologiques qui sont en cours de résolution dans les analyses de génétique, qui ont fait d'immenses progrès, mais qui, il est vrai, ne sont pas encore forcément à la portée de tous. Et deuxièmement, il y a une véritable errance constitutive au retard à l'adressage de ces enfants dans des centres de génétique français qui sont équipés pour ces techniques. Donc il y a un peu les deux volets. Le deuxième est explicable par les progrès technologiques et l'avancée des choses. Mais le deuxième doit être, au fond, résolu par ce qu'on appelle le plan maladie rare, c'est-à-dire cette organisation nationale qui doit faire qu'il n'y ait pas une seule famille, pas un seul enfant en France qui ne soit à courte distance d'un réseau de référence dans un domaine de maladie rare génétique. Donc d'un côté, il y a un temps qui est un peu incompressible, c'est-à-dire que c'est normal que ça prenne autant de temps, et d'un autre, avec une meilleure organisation, ça pourrait aller un peu plus vite. À partir du moment où on vous envoie le petit Louis ou des enfants qui ont globalement le même genre de maladie, combien de temps, ça vous prend pour poser un diagnostic? Alors, pour être extrêmement spécifique et pour prendre le cas de Louis, que, il se trouve, je connais en plus personnellement, ça nous a pris un an entre le moment où Louis est arrivé en consultation à l'Institut des maladies génétiques par l'intermédiaire de notre hôpital de référence Necker Enfants Malades et le moment où on a pu dire à ses parents, voilà, nous avons trouvé le gène qui est altéré chez Louis et qui explique ce syndrome. Et cette année, elle est explicable, cette fois-ci, de manière très, très, extrêmement pragmatique. Le temps de consultation, le temps d'investigation préliminaire pour comprendre les symptômes de Louis, le temps de lancer une étude de génétique, de l'interpréter, voilà à peu près aujourd'hui ce délai. Alors, le délai de l'étude de génétique lui-même peut raccourcir encore, et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui. Des enfants comme Louis, il y a à peine 5-10 ans, nous arrivions à un taux d'élucidation diagnostique de l'ordre de 20%, grosso modo. Aujourd'hui, nous sommes entre 42% et 45%.
et les études de génome complet qui sont maintenant disponibles en France et en particulier à Imagine vont monter certainement au-delà de 55%. La France est à la pointe sur ces questions ? Elle a été, pour être très sincère, elle a été en retard. Elle a été vraiment en retard par rapport à des pays qui se sont mieux organisés plus vite. Je pense aux îles Britanniques, je pense à la Hollande en particulier. Aujourd'hui, elle a non seulement rattrapé son retard, mais ce qu'on appelle le plan France Médecine Génomique 2025, qui a été conçu par l'Organisation de la Santé, mais aussi de la recherche en France, est en train de mettre au niveau la France dans ce domaine, notamment par des plateformes de séquençage, c'est-à-dire d'analyse de l'ADN à très haut débit, dont deux sont nées, l'une en Rhône-Alpes, autour de Lyon, à Oragène, et l'autre en région parisienne pour servir tout le nord-ouest de la France, à Paris, Sequoia. Ces deux plateformes ont pour mission justement de rattraper ce retard. Elles sont en train de le faire de manière incontestable. Ok, alors donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. Donc, cette maladie SLIT-R4-4, je l'ai mal dit, mais on a vu l'idée, est une maladie rarissime. On l'a vu avec vous. Est-ce que certaines maladies qui sont moins rares, un peu plus fréquentes, restent tout aussi difficiles à diagnostiquer ? Oui, et alors, ce n'est pas la génétique qui est en cause ou le test, puisque si on parle de maladies moins rares, on parle de tests génétiques plus courants, plus communs, d'interprétation au fond un petit peu plus facile. On est en terrain connu. Donc là, ce qui est à blâmer, c'est l'errance de départ, c'est l'errance du réseau qui a fait que par accident, par erreur, par mauvaise orientation, un enfant, une famille vont se trouver éloignés trop longtemps de ces réseaux de référence qu'on appelle aussi des filières de santé maladies rares, dont je vous parlais, et qui sont organisées par le plan maladies rares national, dont on connaît maintenant la troisième version, qui a été portée par la ministre Agnès Buzyn il y a 2 ans, et qui doit encore une fois, a mis en tête de ses objectifs, de réduire ces délais en augmentant le maillage territorial des experts capables de répondre le plus rapidement aux questions posées par des maladies génétiques souvent rares. Ouais. Ce qui, évidemment, est quelque chose de très important pour les parents. On l'a vu avec ce témoignage de Laure, c'est très éprouvant pour elle, c'est très éprouvant pour ses parents, notamment toute cette période d'attente. Comment sont-ils accompagnés, ses parents, et est-ce qu'ils sont suffisamment bien accompagnés ? Alors, ils sont, je vais prendre l'exemple de l'Institut Imagine, parce que c'est celui que je connais. Oui. Je ne dis pas qu'on fait bien, mais on essaie d'accompagner le mieux possible en doublant les aspects technologiques, les aspects de prélèvement, d'études, d'imagerie cérébrale, de tests génétiques, d'un accompagnement médical et d'un accompagnement psychologique. Je crois que ces instruments sont importants. Un des éléments essentiels dans la construction, et le message qu'on porte à Imagine, c'est que la liaison à la recherche est à mon avis capitale pour l'accompagnement des familles. Alors ça peut paraître un peu déguiser une carence, pas du tout. Dire à ces familles, en songeant à ceux pour lesquels l'élucidation diagnostique n'est pas là, je pense aux 60% qui n'ont pas le diagnostic au bout de cette démarche, dire, écoutez, vous êtes entré à Imagine, on n'a pas aujourd'hui la réponse, mais voilà le labo de recherche qui travaille là-dessus, voilà la plateforme de méthodologie nouvelle d'études d'ADN qui travaille là-dessus, c'est à mon avis le meilleur accompagnement. Le deuxième accompagnement essentiel, c'est la dynamique des parents et des associations de famille. Alors, il n'y a pas d'association pour les non-diagnostics ou les sans-diagnostics. En fait, d'ailleurs, il y en a une. Mais c'est cette dynamique de dire être regroupé dans une recherche clinique pour des enfants qui n'ont pas trouvé le nom à mettre sur l'étiquette de leur dossier et qui pourtant ont des symptômes qu'ils peuvent partager avec d'autres enfants. Cette recherche clinique qui, pour nous, du point de vue technologique, passe par ce qu'on appelle un entrepôt de données dans lequel on va mélanger toutes les observations de ces enfants pour aboutir à des diagnostics, doit avoir son pendant associatif pour aider ces familles à trouver les meilleures portes au meilleur moment. Pour aider ces familles, donc ce qui est très important, eh ben, vous avez besoin de dons. Donc rendez-vous si vous souhaitez plus d'informations et surtout pour faire des dons pour vous, professeur Lyonnais, enfin pas pour vous directement, Institut. Ce serait bien, hein, professeur, mais c'est pas l'objet. c'est adorable de relayer ce message. Institutimagine.org. On espère vous retrouver très bientôt sur le plateau dans la maison des maternelles. Merci professeur Lyonnais d'avoir été avec nous ce matin. Merci professeur. Ouh là là,
j'entends le bébé pleurer. Est-ce qu'il ne serait pas temps de lui faire un merveilleux massage avec Emmanuel Bonnet? Ce sera juste après l'appel à témoins de Benjamin Muller. Ah, je ne l'ai pas. Non, c'est pas vrai. Si, 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 je l'ai, détendez-vous. Vous avez une histoire particulièrement forte à partager avec nous. Chaque semaine, vous savez qu'Agathe donne la parole à des mamans ou à des papas qui ont surmonté des épreuves et veulent envoyer un message d'espoir. Si c'est votre cas, écrivez-nous lmdm@2b2l.com. Allez, cette fois, c'est l'heure du massage, c'est l'heure de pratiquer. Ce matin, nous allons parler du massage des bébés. Je vais vous montrer quelques techniques pour bien s'y prendre. Voilà, nous sommes en compagnie de Nathalie. Bonjour Nathalie. Enchantée. Et de Valentine, son bébé de 2 mois. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. Bon, Valentine n'est pas très contente. Alors, je ne sais pas si ça sera le bon moment pour le massage, mais déjà, ce que vous faites, c'est super, Nathalie. Oui. Oui, regardez, ça l'apaise. Super. Oui, elle a quelques coliques. En journée, elle est plutôt inconfortable. OK. Est-ce que vous avez l'habitude de la masser? Ben, je m'y connais pas trop, donc j'avoue que je fais juste tourner dans les aiguilles d'une montre. Oui, ben regardez, déjà ça, c'est super. Voilà, et ça aide un tout petit peu. Alors aujourd'hui, nous allons parler du massage touché-contenant, qui est un massage à destination des bébés de moins de 3 mois. D'accord. Voilà, qui est un massage qui s'exerce par pression avec les paumes des mains. D'accord. Sur les bras, les jambes, d'accord, et puis éventuellement le ventre, le dos après dans un second temps, mais déjà les bras et les jambes. Voilà, voilà, c'est, donc vous pouvez éventuellement enlever la chaussette, voilà, enlever ses chaussettes, enlever son pantalon. Hop là. Et puis on prend le pied du bébé et on le met entre ses paumes et on exerce 3 pressions. Oui. Et de plus, on en fait 3 de plus en plus fort. D'accord. Et on prend le temps de faire le mouvement et de relâcher tout doucement. Et la 3e, bien plus forte, et on fait les choses un peu au ralenti, un peu à l'opposé de ce qu'on fait actuellement dans notre société. Ouais. Et on va remonter tout le long de la jambe, d'accord, du bébé. Donc je vous laisse continuer. Et je fais à chaque fois 3 pressions. Voilà, exactement, 3 pressions à chaque fois. D'accord. Alors à votre avis, je vous laisse continuer Nathalie, à votre avis, est-ce qu'il y a un moment propice dans la journée pour faire ce massage ? J'aurais tendance à dire peut-être à la sortie du bain. Alors souvent, les parents veulent faire à la sortie du bain, ouais, ou le soir pour apaiser. En fait, c'est au moment où vous allez être disponible, d'accord, et où Valentine sera disponible. Là, elle a l'air très disponible finalement. Elle apprécie. Contre toute attente, oui, elle a l'air d'apprécier. Voilà. Alors dans les grandes règles du massage, une fois que vous avez fait la première jambe, ouais, vous allez toujours la tenir, attraper la deuxième et ensuite seulement vous pourrez lâcher la première. Voilà. D'accord. Et vous allez refaire pareil au niveau du pied. D'accord. Voilà, parfait. Donc, il n'y a pas de moment propice. En revanche, il y a des lieux où il faut que vous soyez confortable. Donc, ça peut être sur un lit, ça peut être sur une table allongée, d'accord, ça peut être également au sol. L'essentiel, c'est que vous soyez bien, que vous ayez une position ergonomique pour vous et d'accord, que bébé soit en sécurité. D'accord. Évitez les endroits avec des courants d'air. Ouais. Plutôt un endroit où, si vous pouvez mettre un peu de chauffage, c'est super, ouais, avec des lumières un peu tamisées. D'accord. Un peu à l'opposé d'ici, mais c'est pas grave. D'accord. Vous voyez, ça marche quand même. Donc finalement, on peut. Il n'y a pas de bon moment ni de lieu. Il faut juste que ce soit un moment où vous êtes disponible et bébé est disponible. D'accord. C'est ça l'essentiel. D'accord. Voilà. Au niveau du matériel, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel. Juste une petite couverture éventuellement. Bon, là, on ne l'a pas déshabillé intégralement, mais chez vous, vous pouvez déshabiller vos bébés complètement, même retirer la couche. D'accord. Donc, il faut avoir un petit peu de quoi la changer à côté si jamais, voilà, il y avait un petit pipi ou autre. Ouais. Et puis, de quoi la rhabiller après, que vous n'ayez pas laissé bébé pour aller chercher ce qu'il faut. Mais voilà, juste la couverture. Donc, c'est un massage qui s'exerce. Donc, on l'a vu par pression. On ne fait pas vraiment de mouvement glissé, mais on peut quand même, à la fin d'une jambe, par exemple, une fois qu'on a fait les pressions le long de la jambe, oui, on peut pratiquer ce mouvement comme ça, toujours on reste en contact avec la jambe de l'enfant. Et là, éventuellement, ça peut être intéressant d'utiliser une huile. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, alors, on peut utiliser une huile. Alors, si on utilise une huile du commerce, une huile adaptée au nouveau-né, et surtout une huile sans parfum, avec le moins de produits dedans. Mais on peut aussi tout à fait fabriquer son huile soi-même, d'accord, avec des huiles végétales, par exemple de l'huile de noyau d'abricot, oui, avec, qu'on peut mélanger avec de l'huile de sésame, ou de l'huile d'olive, un petit peu. D'accord. Alors, l'huile d'amande douce, qui est souvent souhaitée par les parents, oui, elle est très allergisante. Donc, pas plus de 20% quand on met de l'huile d'amande douce dans le mélange. D'accord. Voilà.
Et puis les petites règles du massage, donc on l'a vu, hein, c'est vraiment de jamais lâcher, rester toujours en contact avec le bébé une fois qu'on a commencé le massage, oui. Toujours rester en contact avec lui. Vous pouvez continuer si vous voulez faire la main, vous pouvez faire la main. D'accord. Ah ouais, tout ouais. à fait. Voilà, rester en contact avec son bébé. S'assurer qu'elle est bien disponible. Donc là, c'est le cas. Hein. Voilà, elle apprécie. Elle retrouve sûrement peut-être les mouvements qu'il y avait dans votre utérus. Ouais. C'est également un moment important parce qu'en fait, le bébé a un vécu morcelé de son corps D'accord. quand il est tout petit et ça permet de le rassembler dans son intégralité. Mais D'accord. surtout, l'essentiel, c'est que vous passiez un bon moment avec votre bébé, ouais. que ce soit un moment de détente et qui favorise la relation entre le parent et son bébé. Voilà, c'est D'accord. vraiment ça l'essentiel. Qu'on ne le fasse pas par obligation, comme un protocole ou comme un cours. Bien c'est sûr. Pas grave si on n'a pas le temps de tout masser. Si le bébé est juste disponible pour les pieds, ben on fait les pieds. Par contre, si on fait un pied, on fait l'autre. Si on fait un bras, on fait... Voilà. Et à la fin du massage, on peut faire un mouvement enveloppé global que vous pouvez faire, là. D'accord. Voilà. Alors là, c'est l'inverse. On fait de plus en plus fort. Allez-y. Ah oui, d'accord. Vous appuyez bien fort. On va le faire 3 fois, ce mouvement-là. Un peu moins fort. Et puis, on termine par un effleurage. Voilà. Magnifique, merci beaucoup Emmanuel. Avec plaisir, merci Quelle à Valentine. Quelle belle petite pitchoune Valentine, trop mignonne. Merci beaucoup Marie. Alors maintenant vous nous faites faire des maths, on passe d'un moment de plénitude absolue à des mathématiques. Qu'est-ce que je voulais que vous disiez ? C'est ça la vie aussi, et les maternelles du coup, c'est très représentatif de la vie. Je pense qu'il faudrait peut-être que je prenne 4-5 jours là. Juste pas mal. Pour repenser mes lancements ou ma carrière en général, peut-être. Marie, alors des maths, pourquoi, why, pourquoi t'es basse ? Bah, parce que les maths, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas une journée sans que nous nous interrogions sur le théorème de Thalès, Pythagore, la produit en croix. Les fractions. Nombre de petits disques que vous avez sur votre chemisier. Hey. Alors non, les maths, ça fait partie de la vie, je le disais. Et puis, il y a moyen de le travailler énormément au quotidien sans que ça soit justement quelque chose de pesant. Moi, qui n'étais quand même pas quelqu'un qui adorait les maths, j'ai essayé d'en mettre un petit peu dans le quotidien de mes enfants pour que justement, ils n'en souffrent pas. Et puis alors, c'est plus ou moins une réussite, on va le dire. Mais en tout cas, j'ai découvert énormément de choses ludiques pour justement travailler ces notions. Alors les maths, c'est facile parce que dans la journée, on peut complètement poser des petits problèmes, des situations problèmes. On appelle ça comme ça quand on est enseignante, avec ses propres enfants. Par exemple, vous êtes en train de faire vos courses, va me chercher 3 pommes. Ils vont chercher 3 pommes, ça fait une mission, il n'y a pas de crise au supermarché. Et en plus, ils vont compter, ils vont dénombrer. À la maison, pareil, on met la table, alors on ne dit pas combien on est, il doit compter et mettre la table. Donc ça, c'est des maths. Donc c'est vraiment ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut en faire au quotidien. Et puis, bien entendu, il existe moult choses pour travailler, pour apprendre la comptine numérique, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pour dénombrer, pour savoir quel chiffre représente quelle quantité. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Les bouquins, les livres à compter, par exemple, je vous en ai sélectionné 1 ou 2. Il y en existe énormément sur le marché. Donc là, à vous d'aller sélectionner celui qui vous fait plaisir. Très clairement, au fil des pages, le livre à compter va se passer comme ça. On va aller de 1 à 10 ou de 1 à 5 selon les âges, avec une petite histoire qui va permettre, là aussi, de relier le chiffre à la quantité. D'accord. C'est vraiment le boulot qu'on va faire, nous, parents, à partir de 2-3 ans, quand nos enfants commencent à entendre la comptine numérique et ils vont l'associer ensuite à des quantités. On va pouvoir le travailler aussi avec des puzzles. Il y a Abba qui propose énormément de puzzles hop, sur le sujet. Donc là, vous le voyez, on va pouvoir associer le chiffre à la quantité. On s'ajoute encore la couleur. Ça, on aime bien ajouter la petite couleur. C'est un puzzle qui est plutôt facile. Il y a énormément voilà, d'indices à repérer. Évidemment, on va jusqu'à 5 parce que c'est un puzzle pour les petits. Mais ça peut être très, très chouette à proposer à son enfant. Vous voyez, moi-même, je me suis évidemment gaufrée. Ensuite, pour associer, je vous le disais, justement, le geste graphique. Quand on va être en maternelle, grande section, moyenne section, qu'on va apprendre à écrire ces chiffres, ou même au CP, on va avoir tendance, on aime bien ça, nous, à travailler sur des matières rugueuses, c'est-à-dire à acquérir le geste dans la farine, si on le souhaite, ou bien sur des petites cartes comme ça, qu'on peut fabriquer, si on est très doué, avec du papier de verre, bien entendu, que je ne fabrique pas, bien entendu, moi-même. Donc voilà, vous avez les chiffres, les pourcentages, ça c'est pour Benjamin Muller et sa maison des courtiers, bien entendu. Oui, bien sûr. Voilà, mais on va pouvoir apprendre le Bitcoin à écrire. Voilà, en touchant, c'est un coffret que j'ai trouvé vraiment très sympa chez Maman Naturelle qui relie le geste graphique pour la préécriture et puis pour les chiffres, je l'ai trouvé vraiment très très adapté.
Ensuite, on va parler des jeux de société parce que les jeux de société sont un excellent moyen justement de compter, ne serait-ce qu'un jeu des petits chevaux pour apprendre justement le lancer de dés. Le Yams, c'est parfait. Le Milborn, génial, pour les un peu plus grands. Pour les plus grands, on est d'accord. ABBA, là aussi, j'aime beaucoup ABBA parce qu'ils ont des jeux éducatifs extraordinaires. Ce coffret-là est très très bien. Pourquoi ? Parce qu'il va regrouper une dizaine de jeux, à la fois du dénombrement, de la reconnaissance visuelle et du comptage. Donc vous voyez que vous avez un livret fort complet qui va vous présenter plusieurs jeux. Alors, je ne vais pas tous vous les décrire, mais on a des jeux, là, je vous le disais, de dénombrement, un peu comme un jeu de bataille. On va devoir nourrir certains animaux. Tout a été conçu vraiment pour être proposé à des enfants à partir de 3 ans. Comme par exemple, vous voyez, on a des jeux d'association, un peu comme un memory. On va devoir associer des girafes qui ont un nombre de tâches avec des girafes qui ont un chiffre inscrit dessus. Donc là, on va faire le rapport entre le nombre et le chiffre écrit. Voilà, on a plein d'outils avec des petits animaux, des mémories tactiles aussi. Donc là, on va travailler tous les sens et principalement les sens mathématiques. Donc ça, c'est un jeu que je vous recommande. Très utile en classe aussi si vous êtes enseignant, bien sûr. On a parlé des nombres. Chose dont on ne parle pas souvent, c'est les mesures et les masses et les poids. Chez Jeannot, ils ont sorti toute une collection inspirée justement de la pédagogie Montessori et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Vous voyez que c'est une petite balance. Ah, c'est génial, voilà, ça. Qui va permettre aux enfants d'appréhender l'équilibre, d'appréhender le plus lourd, le moins lourd et justement comment créer l'équilibre. Donc, il y a des petites fiches, vous voyez, qui nous disent quelles petites choses il faut que nous prenions et ensuite comment les placer sur la balance pour avoir l'équilibre parfait. C'est plutôt sympa, c'est très joli en plus. Mmh. Donc voilà, là on va pouvoir jouer, manipuler et ça c'est essentiel justement. Pas mal Agathe, pas mal. Voilà. Bon, écoutez, pas mal du pas tout. Mal, pas voilà, mal, donc pas l'idée mal. C'est vraiment de manipuler un maximum. Là encore, il y a des choses ensuite très pédagogiques qui ont été créées par par Larousse par exemple pour les plus jeunes. Ça, là Félix, aussi. Il aimerait bien, je pense. Ben, voilà. Il en est là, Félix. Moyenne section, il veut voir c'est des ça. Et ils aiment bien. Ils aiment bien, ils veulent voir des chiffres, il m'a dit maman, est-ce que tu pourrais m'acheter s'il te plaît un album où je pourrais écrire des chiffres. Voilà. Bon, bah voyez. Oui, c'est un sociopathe. Ah, oui, c'est ça, il est un petit peu bizarre. Donc là, des petites flashcards avec des chiffres que je vais offrir à notre petit Félixou, bien entendu. Très bien pour accompagner un apprentissage. Les petits cubes MathLinks, alors ceux-ci sont très petits, on en trouve aussi des plus grands que je préfère d'ailleurs. Ça sert à quoi, qui ça? Qui permettent en fait justement de manipuler lors des premiers calculs en ayant les unités, la barre de 10 qui va nous faire une dizaine. Ah, et là, génial. On peut manipuler, c'est-à-dire que quand on a un petit problème et qu'on n'arrive pas à le visualiser 3 plus 5 dans la tête, c'est pas facile pour les enfants de s'extraire. Non. Donc on va utiliser ça. Et l'important, c'est vraiment de laisser les enfants passer par cette phase de manipulation à la maison, de pour qu'ils puissent jouer. Si, par exemple, ils ont des devoirs à faire en maths, eh bien, on a ces outils-là à la maison, ça les aide. Et ça permet vraiment d'éviter des frustrations et des échecs. Donc, vraiment, je vous le recommande. Colis. Oui, il est très choubidou. Voilà, et je termine avec un jeu pour les plus grands, mais que j'ai trouvé superbe aussi, c'est Moby. Un petit peu comme un jeu de Scrabble, mais cette fois-ci avec des chiffres. Vous allez aussi l'adorer, Agathe. Vous voyez qu'on a des chiffres bleus. Dès qu'il s'agit de Scrabble. Voilà, donc on va pouvoir, plus petit, jouer avec les chiffres. Et puis, plus grand, on va pouvoir y associer des plus, des moins, des égales, des divisés, des multipliés et créer des opérations. L'idée évidemment étant, hop là, vous allez voir, 7 moins 8 moins 7 égale 1, tac, et je vais devoir, moi, adversaire, créer quelque chose ici, 5 plus 2, hop, égale 7, et voilà, le Scrabble est fait. Mélange de Scrabble et de domino. On est d'accord. Oh, ouais, vous êtes bonne en maths. Oui, enfin ça pour moi c'est pour se pendre. Le reste ça allait, c'était à mon niveau. La petite baleine elle est tellement kiki. Oh oui, non mais ça va Benjamin, vous voulez un petit cigare? Non mais attendez, mais le gars met les pieds sur la table, mais ça va pas. Devant Emmanuel en plus, notre invité exceptionnel. J'étais à la ludothèque, c'était bien. Est-ce que vous saviez que Marie Perarnaud était institutrice de profession? Voilà, c'est pour ça que vous vous dites, mais comment est-ce qu'elle sait tout ça, que c'est hallucinant, etc. Ben oui, vous croyez quoi? Si vous voulez retrouver ces tutos, les tutos d'Emmanuel, enfin le tuto, mais il y en aura d'autres, les tutos d'Anna Roy et du docteur Pfersdorf, lamaisondesmaternelles.fr. Benjamin Muller, rassemblez-vous. Hein. Je suis rassemblé. Vous savez que moi je suis généticien, on peut le dire, parce que vous dites qu'elle est institutrice. Moi je suis généticien. Ouais, généticien du Bitcoin, ouais. C'est ça. Le prénom du jour est un bien beau prénom qui fait l'unanimité ici. C'est Quentin, le prénom du jour issu du latin Quintus, qui veut dire le cinquième. Je ne sais pas si je l'ai bien dit en latin. Prénom... Quintus, si, si. Quintus. Si, Quintus, Quintus, plus, ouais. Quintus, c'est plus Quintus. À l'anglaise. Si, si, à mon avis, c'est Quintus, non? En latin, si, je pense que c'est Quintus. Un prénom très donné dans les années 90, Quintus. Pique en 98, avec plus de 7000 naissances de petits Quentin. Vous imaginez, depuis, il est moins donné, mais tout de même encore 1200 fois par an. Donc, Quentin, valeur sûre. On les fête les 31 octobre. Et alors, un Quentin célèbre, réalisateur de génie, Tarantino, qu'on adore, Agathe, que vous adorez. Moi, j'aime pas.
Même, j'y pensais, parce qu'en fait, on en a parlé hier, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas. C'est pas que j'aime pas, j'aime même ça. Même Pulp Fiction ne vous a pas parlé. Mais je vous l'ai dit. Boulevard de la Mort, non. Il n'y a rien. Mais franchement, j'en ai vu 4 ou 5. Ne la psychotez pas. Non, je ne peux pas vous expliquer. Ça ne vous atteint pas. Non, par rapport à peut-être mon éducation, mais la façon dont je suis construite, je ne sais pas. Faudrait que je me psychanalyse. Okay. Ok. Pourtant, j'adore Uma Thurman. Hein. Bon. Ouais. Marie, un livre ? C'est rapide. Après cette chronique cinématographique. Aux éditions Grune de Les Couleurs, vous allez voir un livre engagé. Rouge, la fraise. Jaune, le tournesol. Oh là là. Bleu, la libellule. C'est politique, là. Oui, alors ce que j'ai aimé, c'est un petit peu le parti pris de montrer des choses qu'on ne voit pas souvent. Par exemple, bleu associé à la libellule, c'est quelque chose d'assez peu commun que vous ne verrez pas chez tout le monde. Orange, la citrouille. Vert, la grenouille, bien entendu. Rose, le cochon est le meilleur pour la fin, évidemment. Oh là là, mon Dieu ! Noir, l'araignée. Ah non, pardon. Bonhomme de neige. Un livre plutôt sympa pour apprendre. C'est mignon, n'empêche. Bah oui, c'est très ans, mignon. 7-8 ans. Ah, faut ouais, quand même. Ouais, j'aurais été sur du 8 ans, en tout cas. Voilà, CM1, CM2. Ouais, ouais. Non, mais c'est super pour les tout petits. Et alors, Dieu sait que l'offre pour les plus petits, elle n'est pas non plus démente. Merci beaucoup, Marie. Merci, Emmanuel Bonnet. D'être venu nous voir dans la maison des maternelles. Merci Benjamin Muller. Et puis nous, on se retrouve tout de suite dans la maison des parents. On parle des plus grands maintenant. Restez sur France 4.